Les amis, est-ce que Kylian Mbappé est inquiétant? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé a enchaîné son troisième match consécutif sans marquer de but. Troisième match, les gars. Troisième match. Du coup, donc, on se pose la question, est-ce que Mbappé est inquiétant? Ce n'est pas comme si Mbappé n'avait pas d'occasion. Mbappé a des occasions. Tous ces matchs-là qu'il n'a pas marqué, il a eu des occasions. C'est juste qu'il ne les a pas concrétisées. Est-ce que c'est dû mentalement? Parce qu'un joueur fonctionne beaucoup au mental, fonctionne beaucoup à la confiance. Quand mentalement, tu n'es pas bon, c'est très compliqué de répondre sur le terrain. Parce que le joueur fonctionne au mental, à la confiance. Mbappé, est-ce qu'il est inquiétant? Pour l'instant, il est inquiétant, mais sur le long terme, je ne suis pas inquiet pour lui parce que c'est un mec qui a toujours su rebondir. Aucun joueur ne passe une saison en plein régime, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, sans connaître des périodes creuses. Tous les joueurs connaissent des périodes creuses, tous les joueurs. Même Alan, il fait un temps, Alan ne marquait plus. Alan a fait peut-être 2 ou 3 matchs sans marquer. Et toute la presse espagnole, toute la presse anglaise, autant pour moi, a commencé à râler que non, Alan n'est pas compatible au jeu de Pep Guardiola. Guardiola a fait une erreur de casting, etc. Donc, c'est pour dire à quel point aucun joueur ne finit une saison sans connaître des moments difficiles. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian, je sais qu'il va rebondir. Actuellement, il traverse une période difficile, mais il va rebondir. Je ne suis pas inquiet pour lui. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour Kylian Mbappé? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.